Avril, c'est le roman d'une révolution, euh, d'une révolution qui aurait lieu à peu près maintenant, il y a deux ans, dans deux ans, dans cinq ans maximum, en France, et qui, qui a pour point de départ, pour détonateur, hein, l'évacuation euh, musclée, voire, euh, voire violente, d'un squat par la police. Donc un problème lié. Euh, Lié au logement, lié au mal logement, qui dégénère et qui, bizarrement, sert de goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une société, euh, société en état d'implosion de, ou d'explosion. Je l'ai écrit pendant l'automne 2010 et il est né de, de ce que je percevais de où en, où en était la société française à ce moment-là, au milieu du quinquennat de, de Sarkozy. Et c'est vraiment. Euh, euh, le fruit, euh, le résultat d'une du, du, impression euh, un peu exacerbée, un peu, un peu imprécise, d'une incapacité à saisir le présent qui s'est mué en, en, en texte euh, déstructuré, polyphonique, et qui, où je me suis laissé entraîner par une situation qui, qui dégénère, qui se ramifie. Euh, j'avais pas du tout prévu au départ d'écrire un, un, une histoire pareille. Elle est sortie toute seule, vraiment. Et je ne pouvais pas imaginer qu'elle serait publiée cinq ans après et qu'elle serait publiée en avril 2016 dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui. C'est euh, un hasard tout, tout à fait incroyable. Le texte m'a été inspiré par l'actualité de l'époque. Et il a l'air encore plus d'actualité d'aujourd'hui, mais je ne me, me prends pas du tout pour un écrivain visionnaire, je pense simplement que la situation qui m'a inspiré cette histoire était la même qu'aujourd'hui et qu'au contraire elle s'est accentuée, elle a plutôt même empiré. Euh, en 5 ans, euh, 2010, 2015, oui en 5 ans, et, et du coup ça n'a rien d'incroyable que j'ai mis en scène, mis en place une société française qui a ces clivages-là, ces exaspérations-là, ces points de rupture, de tension-là, parce qu'ils étaient déjà, ils, étaient, ils, sont là, ils existent depuis 20 ans, 30 ans, ils ne font que s'accentuer avec les années. Je ne sais pas si ce type de révolution pourrait se produire aujourd'hui, euh, mais je, je crois qu'en matière historique, il est absolument impossible de dire que certaines choses ne pourraient plus jamais arriver. L'histoire montre que tout obéit à des logiques de cycle, que des empires s'établissent pour parfois des millénaires et puis s'écroulent. Et, et, et dans les périodes de stabilité, il semble absolument inimaginable qu'il puisse y avoir des, des renversements et des bouleversements. Euh, euh, qui ensuite en fait ont lieu. Donc je pense qu''on ne peut absolument pas savoir de quoi sera fait l'avenir. Jusqu'au 11 septembre 2001, euh, on, on se sentait, on se croyait à la fin de l'histoire. Et puis tout d'un coup, on a découvert que non, elle n'était pas finie. Il y a des périodes d'accalmie, des, des changements de rythme, mais l'histoire elle continue toujours, elle est inexorable dans le sens de le temps ne peut pas s'arrêter de passer, les événements ne, ne peuvent pas ne pas continuer de se produire en revanche, L'homme, l'humain, les hommes, les femmes peuvent toujours quelque chose pour changer le cours de l'histoire. Ça, j'en je, suis absolument convaincu. J'ai intercalé entre chaque monologue intérieur du roman des, des, des dépêches de, de la presse internationale, des interventions diplomatiques, etc. Pour euh, contrebalancer l'effet un peu franco-français, ramassé sur soi-même de, de, de l'action principale du roman, parce qu'on est quand même dans une révolution qui se passe en France, avec les, les, les frontières qui se ferment, etc. Mais on est aussi dans un monde complètement interna internationalisé, mondialisé, et il est absolument impossible que, euh, euh, que, que cette situation euh, d'une incroyable euh, violence et très très inattendue ne soit pas immédiatement. Euh, commenter ne fasse pas d'une certaine façon tache d'huile enfin ne soit pas en fait quelque chose qui a une résonance internationale et des conséquences à l'international on peut même la révolution française de 1789 a eu très très rapidement des, des rebondissements et des, des, des conséquences dans l'Europe entière. Donc on est 200 ans plus tard avec les moyens de communication qu'on a immédiatement, ça se répercute autour, dans, en Europe, dans le monde entier. Je ne pouvais absolument pas ne pas présenter ce, cet aspect des choses. Et puis c'était aussi une manière de de mettre à distance, de donner au lecteur diverses divers possibilités de, de positionnement, de, de focal par rapport à l'action, de lui donner la possibilité de prendre du recul, d'imaginer comment il est possible de considérer un même événement depuis différents points de vue. Euh, donc ça, ça avait plusieurs fonctions, qui étaient à la fois des fonctions littéraires et puis des fonctions euh, euh, plus intellectuelles plus, euh, ou, ou, ou plus politiques, si vous voulez. Le choix de multiplier les narrateurs et les points de vue dans le, dans le roman, euh, une, des, une des premières fonctions que ça avait pour moi, c'est de d'égarer le lecteur, d'abord. De pas du tout le prendre par la main en lui disant, comme dans une visite guidée, en lui disant, ben bah voilà, je vais vous raconter telle et telle, telle, telle histoire, ça se passe comme ça, et puis comme ça. Non, qu'il se retrouve... Paumé comme on est paumé dans le dans le présent réel dans sa propre époque on est on, on peut lire les journaux regarder la télévision euh, participer à des manifestations ou au contraire euh, les les désapprouver on peut on peut être on, on occupe des positions mais on occupe on peut pas occuper toutes les positions en même temps Or, le roman, la polyphonie dans le roman, elle permet d'être en tant que lecteur et puis auteur, mais surtout ensuite lecteur, une sorte de petite souris qui peut se promener d'une conscience à l'autre et comprendre à quel point la même situation est vécue et, et surtout est pensée de façon absolument diverse et, et au même moment simultanément, quasiment simultanément, parce que le, le, le roman se focalise sur une période de quelques semaines seulement, et je trouvais que c'était euh, euh, très important parce que ça amenait le roman un peu aux frontières avec, le, avec la sociologie, avec l'histoire, avec, euh, avec la réalité. Alors, on est dans une fiction, mais qui tente de saisir quelque chose qui est absolument propre à la réalité. C est, c est, c est, une expérience vraiment littéraire à ce titre-là, ce choix de la polyphonie, oui. Je crois que j'ai choisi le titre Avril, bon, parce qu'il fallait, il fallait un mois, il fallait circonscrire le moment comme un moment historique, comme on, comme on dit mai, mai pour mai 68, et que c'était une manière de, de donner, de synthétiser de façon forte le sujet de, du roman. Euh, et puis avril sort, sonne un peu comme les, comme les mois euh, du calendrier révolutionnaire, euh, germinal, prairial. Euh, bon, ça n'a pas du tout la même racine étymologique, mais... Il y a le L à la fin. Je, je, je trouvais que ça, que ça donnait quelque chose d'un peu, peu intemporel et puis d'assez euh, enthousiasmant. C'est le mois du, du printemps, de la Renaissance, donc euh, euh, et puis d'une certaine dynamique, d'une reprise de, des activités, d'une reprise de, de l'élan général. Euh, je, voilà, j'avais envie, de toute façon, dès le titre de prendre le lecteur et de le, de le, de le pousser dans quelque chose qui qui va très vite, qui peut, qui, qui, que personne ne peut arrêter, que, que, que personne ne maîtrise vraiment. Et voilà, c'était une, une manière, de, de, une, une sorte de rampe de lancement, ce choix de titre.